Direction à présent Bastelicaccia pour la foire des agrumes. Pour cette 7e édition, un stand retenait toute l'attention du public, celui de l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique. L'un de ses techniciens a présenté au public quelques spécimens pour le moins étonnants. Ingrid Gallou et Paul-Antoine Franceschi. C'est un peu bizarre, enfin j'en ai jamais goûté comme ça. C'est acide, c'est doux? C'est doux, c'est pas très acide, mais c'est doux. C'est étonnant, c'est très bon. Est-ce qu'il y a un fruit plus original que t'as goûté? Le tangelo ugly. Et il a quel goût? Il a un goût entre le pomelo et l'eau et la clémentine. Doux ou acide, jaune ou orange, sucré ou non? En matière d'agrumes, tout est une question de nuances et aujourd'hui la palette semble infinie. Ce sont pourtant que quelques échantillons de la formidable collection de l'INRA. Depuis une quarantaine d'années, ces techniciens ont fait revivre près d'un millier d'espèces. Citron au goût d'orange, lime sans acidité, un zeste de folie dans le monde de l'agronomie. Le but du stand INRA est de présenter en fait au public tout ce qui va, enfin une petite partie de la diversité au niveau des agrumes, que ce soit en forme, que ce soit en couleur, que ce soit en goût. Le public connaît la clémentine, connaît l'orange, pour certains la mandarine, mais personne ne connaît tous les croisements possibles et tous les goûts qu'il peut y avoir. En fait, c'est montrer un peu la diversité. La plupart pourtant ne sont pas commercialisés. Seul recours pour goûter ces fruits défendus, avoir la main verte pour cultiver soi-même ces spécimens venus des quatre coins du monde. Il n'y a pas d'agrumes spécifiques en Corse. Les agrumes sont quand même originaires d'Asie, tous. Mais la spécificité de l'agrume de Corse, c'est le cédrat. Le cédrat, matière première de plusieurs petits producteurs insulaires. Une soixantaine d'entre eux étaient présents ce week-end à la foire, aux côtés des quatre producteurs d'agrumes de Bastelicaccia.